joie et dans la bonne humeur, les amis. Ah! On tombe direct sur un FR. Ok, j'ai peur, les gars. Est-ce que c'est pas une cleave... Est-ce qu'il troll ou est-ce que c'est une cleave AOE en mode... En mode, il est ultra vénère. Il joue Raoul. Ah, il joue vraiment Raoul. Ok, c'est une compo intéressante. Dans l'idée, je vois ce qu'il veut faire. Il veut strip, stun, machin. Bon, de toute façon, il va jouer avant moi. Hein. Même avec le lead speed, je joue pas avant lui. Hein. Ma Barbara est pas assez rapide. Du coup, il va me strip, stun et je suis baisé. Bien joué à lui. Ouais. Est-ce que je joue avant? J'ai envie de croire que je joue avant, mais je crois que je joue pas avant. Non, putain. Et pas de beaucoup. Hein. Ah, il a full stun. Pas de proc, pas de proc, pas de proc. Bien joué. Par contre, c'est... Vous savez que là, ça se joue à très très peu de choses. Hein. Que j'outspeed ça à Diana, je parle. Que là, pour le coup... Si ma Fran a outspeed ça à Diana, l'autre, ça doit pas être loin. Par contre, j'ai aucun proc, c'est normal. Est-ce normal? Résistance, est-ce normal? Il me full stun, pas de proc. Bon, bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué à lui. Ok, un peu de réussite de son côté quand même. J'ai eu aucun proc. Et je comprends pas comment ma Barbara, qui est censée coller à ma Fran, n'a pas outspeed. Très surprenant. Ok, maintenant je sais comment il joue. Forcément. Donc on peut la jouer différemment maintenant. On va la jouer différemment d'ailleurs. Il reprend sa Rika. Hop. On va l'outspeed. Je vais essayer de l'outspeed. Et de le full contrôle en gros. Ouais, il va faire double immune. Non, il fait pas double immune. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce que j'ai de très rapide qui peut bien lui casser les couilles là-dessus? Ouais, ça draftait bien, ça draftait sympa en vrai. Ok,
let's go. J'aime bien sa draft. J'aime bien sa draft. Bon, là, sauf s'il est à Sandres sur tous ses mobs et que je me fais RN Jesus, normalement, il devrait pas jouer une seule fois. Mais on connaît le jeu, on sait comment c'est. Et on connaît ma RNG surtout. Mais là, il devrait pas beaucoup jouer normalement. Hein. Techniquement parlant, il devrait un petit peu subir la pression, comme on dit chez nous. On va bomber ça, hein, très clairement. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et là, tu peux live, mon ami. Hein. Normalement, c'est perdu. Hein. Normalement, c'est perdu. Tu peux proc, tu peux faire ce que tu veux. Là, il se passera absolument rien. Sa compo est très bien. Hein. En fait, il a une très bonne compo de ladder. Parce que quand tu vois un mec qui first pick Raoul, tu te dis « Bon, ok, le mec, il me troll. » Et en fait, la Janna surprend parce que je m'attendais pas du tout à me prendre une Janna dans la bouche. Mais après, une fois que tu connais la draft, c'est un peu plus facile, on va dire. Voilà. Et là, il peut rien faire. Il peut strictement rien faire. Il a essayé de s'adapter, mais il pouvait pas outspeed et je pense qu'il a fait le mauvais ban dans tous les cas. Je pense qu'ici, il fallait qu'il banne Triton ou qu'il banne un truc pour... Enfin, je sais pas. Mais GG à lui, sa compo est bien. Sa compo est très sympa. Raoul, ça fait... C'est pas souvent qu'on le voit, Raoul. Mais après, bon, on va pas se mytho. S'il avait pas Janna, son Raoul serait pas aussi simplement sortable, on va dire. Tu peux, Splite, tu peux. Et je pense que la Janna y est pour beaucoup dans ses drafts, hein, clairement. Quand t'as une Janna, tu peux te permettre de pick pas mal de choses à côté. Mais c'est beau jeu de jouer un Raoul en RTA, j'aime bien. Oh non, pas Bioni. Ah non, putain, mais tu me snipes ou quoi? Et les FR, vous me snipez ou c'est comment, là? Donc Bioni, c'est la cleave avec... avec Zeros, Neftis et tout le bordel. Pour ceux qui savent pas. Alors il m'a pris ma Vanessa, c'est très chiant. Donc je suis obligé de m'adapter, de jouer différemment. Ah non, il change de compo. J'ai bien fait de pas commit à fond. D'accord, il change sa compo. Ah, il joue plus comme... D'accord, et je pensais qu'il continuait de cleave. Après, peut-être qu'il sait que je sais que... Voilà, donc il change. Mais sa cleave est insane. Hein. Sa cleave est in-fucking-sane. Oh, Juno. Hop. Yeah, I can, Kirito. Ok. Qu'est-ce qu'on reset là ici? Qu'est-ce qu'on reset? Putain, ça joue avant moi en vrai. Hein. Il joue avant moi, je suis obligé de le reset, sinon il va se booster. La speed. Ah, il joue avant moi quand même. Très bien. Attends, mais tous ces mobs jouent avant moi? C'est quoi ce bordel? Donc ce que j'ai fait sert à rien. J'aurais mieux fait de reset Neftis ou Etna. Pas de stun. Stun, proc, bien joué. Bien joué. Me stun pas ma Syrah. Oh, il me stun ma Syrah. Ah, je proc.
J'aurais dû... Oh, j'ai pas tué. Ok. Donc là, je me fais... Il faut absolument que je défonce la L, là. Il faut absolument défoncer la Etna. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de chipotage possible. La Etna doit crever. Il a pas de chance. Hein. Mais même en full procant, il aurait pas du livre en vrai. En vrai, il aurait pas du livre parce que même avec les procs, je perdais, je pense. Je pense que je pouvais la perdre. Mais ouais, j'ai eu... Ouais. J'ai eu un peu de chance. Je suis désolé, Bioni. C'était sur le stream. Mais en vrai, t'aurais dû jouer ta cleave. Hein. T'avais la Vanessa, tu m'aurais lavé le cul. Hein. J'aurais pas réussi à m'adapter à ta cleave avec sans Vanessa, je pense. Mais ouais, bien joué. Par contre, il y a que des FR ce soir. C'est assez... assez huge. Matriana est plutôt pas mal. Hein. Enfin, Matriana est assez offensive. Donc ouais, elle fait assez mal, ouais. Il était G1. Ah, tu penses qu'il chaîne et lose? Ah. Ouais. Ok. Enfin un non-FR. On va pouvoir jouer notre jeu. Ah... On va peut-être pas pouvoir jouer notre jeu, du coup. Nous on y va YOLO et on s'en bat les couilles gros. Qu'est-ce qui me banne à votre avis ici? Il faut que je one shot ou que je reset la... Il faut que je one shot ou que je reset la... la biatch là. Il va mettre son lead res, donc je mets le lead précis pour contrebalancer. Ouais. Bon, on va bien voir. Hein. Pas de Syrah, donc faut que je one shot sa putain de Hathor. Ouf, c'est rapide. Ouf, c'est très rapide. I am BZ. I am obligé. Elle est en Swift, cette connasse. Très bien. Donc là, je vais pas strip, évidemment. Je vais toujours pas strip, en fait. Je vais juste essayer de baiser ça à tort, mais fort. Genre très fort. Et là... Soit il se booste et il me donne un shot avec mon Daphnis. Ok. Oh. Il a un bon proc. Bah, de toute façon, t'as commencé, t'es obligé de finir. Hein. C'est... T'as pas trop le choix. On va aller one-shot ça. Oh, la résistance qui fait chier. Je suis capé précis hein, sur le Daphnis. Un petit proc peut-être, vu qu'il a proc. Non. Ok, ça s'annonce très, très, très mal. Pas de chance. Mon Daphnis est capé là. J'ai l'idée précis, il est capé. Même sans lead précis, il est quasiment capé. Il fait le pire provoque du monde. C'est tout ce qu'il fallait pas faire.
Ouais, I am BZ là. Je suis un petit peu baisé, comme on dit dans le milieu. Ah, j'ai pas de chance, hein. J'ai pas beaucoup de chance là, là-dessus. Très clairement. Et il proc encore. C'est complexe là. Il passe tous ses break def, il full proc sur sa merde. Comment je m'en sors là? Oh. Mais c'est pas possible, hein. Franchement. C'est putain de pas possible hein, d'avoir autant de chance. Hein. Il a full proc, gros. Aimstone, bien sûr. Fais-moi rêver, tu me provoques? Bah oui, tu me provoques. Of course que tu me provoques. Putain, c'est dur, hein, en vrai. Hein. Ah, il la mérite pas, celle-là. Il a beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance. Ouais, you're lucky, mec. You're very lucky. You know you are. Ah, c'est dommage parce que, en vrai, ma compo était un peu YOLO. Putain, mais on match. Ah oui, mais non, mais lui c'est un vrai FR ou pas? Je me rappelle plus. Lui, je crois que c'est pas un vrai FR. Je sais plus ce qu'il joue, mais il est très fort, lui. Je crois qu'il joue des BR, d'ailleurs. Il me semble qu'il joue des BR. Ben let's go mec. On va se la donner mon ami. On va se la donner, on va se la donner. Ok. Donc là, full power, on a tous nos nukers. Ça risque de faire très mal si je passe mes strips, mes machins, mes trucs. On va voir ce que ça donne. Oh, il est très 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 rapide. Hein. Ouh, c'est tanky. Je garde quand même. Je veux garder quand même un petit quelque chose. Un petit strip, parce que je savais qu'il allait. Ok. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal parce qu'on a encore du strip. Il proc, donc il me donne un proc. Là, mon Daphnis va. À moins qu'il se fasse one shot par la. Ah ouais, mais non, mais il va se faire tuer, mon Daphnis, en fait, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah, tu savais que j'allais résistance. Oh! Chier! Proc? Ah, ça fait chier, gros. Ah, ça casse les couilles, gros. Ah, ça me met tellement mal, ça. Ah, ça me met trop mal. Et ouais, putain, fait chier. Oh non, j'ai. Ouais, j'ai perdu. Ah, c'est dommage parce que je one-shotais la Rika, c'était terminé. Hein. C'était vraiment terminé. Ah, il proc encore. Proc Fran, proc Vigor, ça fait beaucoup. Aïe, 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 aïe. Il me full stun, hein, bien sûr. J'ai pas de proc en sortie. Bon. Il a beaucoup, 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 beaucoup de chance. Je sais pas si c'est un vrai FR, lui. Je crois que c'est pas un FR, si. Mais il a beaucoup de chance en tout cas.
En vrai, mon Daphnis est quasiment KP précis, même si Sarika doit avoir Sandraise, hein, clairement. Mais il a beaucoup de chance quand même. Ouais, mais mon double proc m'a pas fait gagner la game, tu vois ce que je veux dire? Là, il a eu vraiment beaucoup de chance, no joke. C'est pas censé se passer comme ça, hein. Il a eu des proc, il a eu plus de proc clutch et il a surtout une raise ultra clutch. Ah, il joue Speedy aussi. Je suis un peu baisé là. Ouais, maintenant qu'il connaît ma draft, c'est compliqué. Je tente un truc. Ah, là c'est trop dur. Ces drafts là c'est trop dur. Il y a Shivu machin, il y a Okeanos. Ouais, non, il y a trop là. Là il y a beaucoup trop pour moi. Là c'est beaucoup trop pour moi. Ça va être terriblement dur là. Hein. J'ai Sandraise sur la Anavel. Je sais pas qui va reset, mais j'espère qu'il va se fail. Comme tous les Okeanos. Ah non, lui, le sien marche. Est-ce qu'il va, il va arriver à strip ou pas? Ah, il ne strip pas. Parfait. Ok. J'accepte. Un petit proc, c'est bon pour moi, ça me donne des procs. Parfait, ça proc de mon côté aussi. On va tenter de mettre un slow hour. Le slow est hyper huge là-dessus. Ok, on proc. On va pouvoir soin un peu. Dis-moi que je l'ai reset. Si je l'ai pas reset, j'ai perdu. Si je l'ai reset, j'ai gagné normalement. Enfin, je pense. Et là, on est pas mal du tout. Stun. Presque. Bon, là, elle va me faire mal, mais... Oh non, me dis pas qu'il me tue. Ouais, il me la tue. Oh non, il proc. Non, non, merde, merde, qu'est-ce que je fais? Je misplay, faut pas que je tue ça. Ok, c'est huge. Ah, mais j'ai reset la truc, je savais même, j'avais même pas fait gaffe. Et voilà, c'est juste gagné, mon bro. C'est juste gagné. On a bien joué, là. Hein. Il a eu beaucoup de chance sur le match 1 et match 2. Il m'a pris mes mobs, mais on l'a bien counter. Et on lui a bien baisé sa mère, sur le coup. On a bien pick et on a bien joué. Et on a passé nos debuffs aussi, surtout. C'est le plus important. Et ça, c'est une grosse win, hein. Vraiment, c'est une grosse win parce que le mec est huge. Le mec est very, very huge. Sa draft était très compliquée. Hein. Sa draft était très, très compliquée. Massira, elle a 90% de taux crit. Et la Anavel qui carry, c'est étonnant. Parce que ma Anavel n'est pas si fat que ça, mais... Le mob est bon, hein. Je vais vraiment plus la respecter, je pense. Hein. Elle mérite, là, après la draft qu'elle m'a fait, après le match qu'elle m'a fait. Ça, j'aime pas du tout, par contre. Hein. Ça, j'aime pas trop. Juno.
Oula, 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 mon bro. Oula, t'es au courant que c'est full feu tout ça, là, ce que tu fais, là. C'est full feu, mon ami. Ah oui, toi, tu t'en bats les couilles, quoi. T'es vraiment en mode en train de me dire, ouais, moi, je veux pas me faire cesser par le Okeanos, mais par contre, tu oublies qu'à côté, il y a des mobs qui sont plus chiants. J'ai juste à reset ça et c'est win, non? Même le Taranis, je sais même pas pourquoi j'ai ban le Taranis. Si, parce que c'est un mob vent et qu'il peut one-shot mes mobs, mais bon. Ok. Bon, je reset la Juno. Je me mets l'immunité. Je pulvère sa Joséphine. Je touche surtout pas à son singe. Je pulvère le Vélajuel et j'ai gagné, non? Ah, lead HP. Mais c'est pas grave, mon Mewang fait mal. Bon, on va voir. On va voir. On va voir comment ça se passe. Et je pense que je reset ça. J'ai pas envie qu'elle me strip, en fait. J'ai pas envie qu'elle me strip. Et derrière, je pense que je veux aller pulvériser ça. Mais si c'est trop tanky, je la perds. C'est assez tanky, mais ça devrait le faire quand même. Si la bombe se pose, elle est morte. Normalement, elle est morte ici. Et là, après, c'est caviar. On va défoncer la Juno, je pense. Ah merde, elle est en revenge. Oh le con. Il l'a mis en revenge, ce chien. Donc, elle va jouer beaucoup, beaucoup. Là, je vais me prendre un break def. Into proc, into, elle va mourir. La Juno. Oh, aïe aïe aïe. Ma Syrah est morte. Sa Juno fait excessivement mal. Hein. Sa Juno a un bon artefact. Ok, il a pas eu de stun. Il a eu un bon proc, un bon stun. Aïe 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 aïe. Proc. Ah, j'ai pas proc sur le singe, c'est dommage. Ok, ça se complique un peu. On va reset ça. On va pas reset ça du coup. Mais elle est pas en despair, si. Me stun pas ma Fran, ça va me faire chier. Ouf. Proc. J'ai pas de proc par contre. Hein. J'ai pas de proc, c'est très très chiant. Est-ce que je tue la Juno là-dessus ou pas? Ah, j'ai grid, j'aurais pas dû faire ça. Ah mais je stun pas le truc. Non mais c'est grave par contre là. Hein. Ok, mon niveau de malchance est extrême. Te loupe pas. Si tu loupes ma Fran, bien joué. Tu as été meilleur. Ah, fait chier. Il a eu ma Fran en plus, ça casse les burnes. Est-ce que je peux avoir un proc ou pas? Genre vraiment, j'ai pas proc. J'ai l'impression de pas avoir proc de la partie ici. Ok, ça c'est game normalement. Là, le singe, je pense pas qu'il arrive à me gérer mon Mewang. Enfin, mon autre singe, quoi, t'as compris. Et là, il va juste perdre son temps et essayer de tuer ma Fran, mais au moindre proc du singe, c'est terminé. Ouais, bien joué. Bien joué. Break attaque, du coup. Et c'est perdu. Bien joué, mais bon, bien essayé. Ok. Après, sa draft était un peu trop heavy fire et mes compos sont un peu trop heavy haut, donc forcément. Forcément, le Barbara Shivu lui faisait bien mal au cul, donc il était obligé d'en ban un des deux, sinon il se faisait instant. Et le souci, c'est qu'à côté, ça laisse open des mobs qui sont tout aussi forts, donc. Donc ça marche quand même pour moi. Ouh, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas du tout les compos comme ça. Ouais, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Je déteste même.
Donc ça, il faut nuke. Hein. Il faut vraiment, c'est des compos, faut pas hésiter. C'est full burst. Soit tu passes, soit tu casses. Mais il faut pas hésiter. On va virer la Diana, je pense. Oh, la Molly. Oh, la Molly qui casse les couilles. La Molly qui casse les couilles ici. Très clairement. Allez, on y va balls deep. On se dit qu'on s'en bat les couilles de la Molly. On va prendre un gros lead attaque parce que là on cherche à faire des gros gros trous. Ouais. Je suis pas convaincu de mon call là. Je pense que c'est un peu trop ballsy et que la Molly va me déchirer. Mais bon, tant pis. On est là pour le beau jeu. J'ai cru que j'avais pas strip. Strip et tu ça? Non, quoi que je vais aller là-dessus en vrai. Ah, résistance. Merde, perdu. Je perds sur ce résist, sauf si je proc. Nice proc. Ok. Résistance, pas mal. Ouais, je suis dans la merde quand même. Hein. Je suis clairement dans la grosse merde ici. Faut que je stun. Faut que je stun, faut que je proc. Faut pas mal ici. Ok. Beaucoup de réussite ici. Un petit proc pour... Oh putain, si j'avais proc ici, ça aurait été insane. Ah, il choisit de faire ça. Oh, le bon proc là. Oh, le très bon proc. Bah, GG. Je pense qu'il gagne là-dessus. Il gagne sur ce proc. Ce proc Molly lui donne la game. Parce que là, il peut me snipe. Ah non, il est reset cooldown. Non, il n'est pas reset cooldown. Par contre, il choisit le... Je pense que c'est pas le bon mob. C'est pas le bon mob à sniper, ce que tu viens de faire, mon bro. Je pense pas. Stop play. Oh, gros, deux fois de suite, vraiment. C'est trop. Deux fois de suite, gros. Non, franchement, il abuse, là. Ah, et maintenant, il se met à proc. Et il me stun. Pas de proc, dommage. Ouais, non. Eh ben, le beau jeu ne sera pas récompensé ce soir, les amis. Malheureusement, on récompense les joueurs dégueulasses qui jouent avec des mobs dégueulasses. Un peu de chance de son côté. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Double résistance sur mon Daphnis. Je suis capé précis, donc c'est pas censé arriver. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est le même. En vrai, je trouve qu'il a eu beaucoup de chance. J'ai envie de refaire la même draft. Et s'il accepte, de refaire exactement le même fight. Et on verra ce qui se passe. Mais je pense qu'il va changer, en fait. C'est ça qui me fait chier. Vas-y, je l'attends au cas où il veuille refaire la même. Mais je pense qu'il va, il va changer. En vrai, après, je peux aussi ban Molly. Hein. Je peux ban Molly. Ah, il change, il change. Il change le bougre. Ok. Round 2. Toujours pareil. J'ai pas de sustain. Ce coup-ci, on va aller faire la même chose. On va pulvérer ça, je pense. On va essayer de... En vrai, je devrais peut-être même pas pulvérer le Molong. Hein, je sais pas.
Si ça one shot, normalement, ça met pas le. Ça déclenche pas son passif de merde. Ah, mais ça a pas one shot en fait. Oh oui, c'est très tanky. Non, c'est très tanky, c'est trop tanky. Ouais, c'est trop tanky. GG, il a mis des runes énergie sur son mob et ça marche. Donc je peux pas y aller en balls deep comme ça, c'est un petit peu trop ce que je viens de faire, mais bon. Après, je peux cycler, hein. Je peux clairement cycler et on va voir ce que ça donne. Là, il va me one-shot un mob. Donc, il me one-shot Syrah. Ok. Est-ce que je peux avoir un proc? Non. Est-ce que je peux stun? Proc, ça c'est bien. Pas de stun ici. Ah, ça crit, ça fait combien? 8K. Il proc encore. Il va me stun. Voilà, la classico, tu connais. Ah, aïe, 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 aïe. Et il proc encore. Hein. Pas de proc pour moi, par contre. Ok, un petit proc ici. Ah, mais le problème, c'est que ça reste. Ça... Non, ça marche pas. Bon, bah, GG. Trop tanky, un gameplay dégueulasse. Je déteste les gens qui jouent comme ça. C'est. Bon. S'il s'amuse comme ça, tant mieux pour lui. Mais c'est vraiment un gameplay que je trouve pas plaisant du tout. C'est full tanky, full res, très lent. Il n'y a aucun mérite à gagner comme ça, vraiment. C'est pas beau jeu du tout. C'est dégueulasse comme gameplay. Mais bon. La prochaine fois que je le rencontre, je jouerai avec du sustain et je lui baiserai sa mère et je vais le cycler et basta quoi. Mais j'aurais bien aimé le burst. Mais bon. Malheureusement, j'ai pas eu assez de burst. Même avec mon lead attack, pourtant mes mobs sont. Bah mes mobs ont quand même beaucoup de stats, hein, mais bon. C'est pas passé. Tant pis. Alors, ça joue du Molly Vigor par ici et je n'ai pas de bomber. Ça peut être rapidement chiant cette histoire. Je lui fais peur exprès avec la Diana. Pour lui montrer que j'ai envie de piquer une Diana. Pour pas qu'il mette du haut derrière. Mais je prendrai sans doute pas Diana ici. Ok. Donc je les bait effectivement pour qu'ils prennent la Diana. Mais par contre, je voulais prendre ma Barbara. Et du coup, ça fait relativement plus chier. Mais c'est pas grave. On va jouer le peintre ici. Je sais pas ce qui va me ban en fait, c'est ça le problème. Problème c'est que j'ai pas assez de sustain là pour tenir elle là. Ok. Bon, ça dépend à quel point il est rapide. Il est très rapide. Il va prendre le premier tour, du coup il va me bomber quelque chose, mais c'est pas très très grave. Là, il va essayer de se débarrasser de la Syrah. Il va pas faire son spell 2, je pense. Il va essayer d'aller. Ouais, il veut aller pulvériser la Vanessa. C'est pas mal joué de sa part. Mais on s'intercale.
Et du coup, on va essayer de stun. Ok, on a stun la grosse là-bas, c'est pas mal. Comme ça, on force la Diana à se transformer. Mais si elle se transforme, je vais prendre le tour, je pense. Donc là, il a un dilemme, voilà. Donc là, il se transforme pas. Il peut pas me bomber. Et derrière, je le peintre. Je lui peintre sa grand-mère. Et là, mon pote, tu vas pas t'amuser parce que t'as pas de cooldown. T'as pas de cooldown pendant X tours sur tous tes mobs, vu qu'il avait pas d'ATB. Et là, on l'a totalement brain. Et c'est dans ce cas-là que j'adore avoir un peintre en violent qui joue en last. Parce que là, pour le coup, ça l'a mis dans une sauce monumentale. Et là, il peut live, hein. C'est perdu pour lui. Il ne gagnera pas. Que là, même en procant, il a plus assez de... Il a pas de cooldown. Normalement. Sauf si j'ai résiste. Stun-moi tout ça. Voilà, bébé. C'est ça qu'on veut voir. Pas de break attack. Vas-y, break-moi, attaque ça. Ok, il proc et j'ai pas eu de break attack. Je suis très déçu. Il proc encore. Ok. Ok. Il se rebelle. Nous allons le corriger. Tu peux live, hein, bébé. Hein. C'est perdu depuis day one. Hein. Tu la gagneras pas, celle-là, mon pote. Tu ne la gagneras pas. Nous t'avons mis notre gros pinceau au fond de ta gorge. Et tu ne pourras rien faire pour revenir. Tu ne peux pas rebound. Barbara, c'est très fort, mais ça peut rien faire contre cette compo. Voilà, enfin il a compris, il est raisonnable, il quitte. C'est goodbye. Et voilà, Chiou supérieur à Barbara. La preuve en image. Barbara a servi à rien. Strictement à rien. On lui a enculé ses grands morts. Ok, bah on est... On a commencé à combien là? On a fait 10 ailes. Et je crois qu'on a fini au même niveau que quand on a commencé, non? On a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. On a commencé à 1593. On a pris 5 points. Yo Kunaga, comment tu vas? Pas mal. Pas mal, pas mal. 5 points durement acquis.